Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue en LFL, Ligue française de League of Legends. Ravi de vous retrouver, nous sommes dans la 8e semaine de la saison régulière de printemps 2024. 8e semaine et donc quasiment la toute fin de ce regular split. Les playoffs, on commence déjà à avoir des équipes validées, nous n'avons pas encore d'équipes éliminées. Mais bien entendu, on va découvrir tout ça ensemble aujourd'hui. On espère que votre semaine se passe bien. Pour m'accompagner durant ce pré-show, j'ai deux acolytes de marque. Tout d'abord, bien sûr, Tréton qui nous fait l'honneur d'être avec nous, qui est accessoirement également pilote de F22. Tréton, bonsoir. Comment ça va, mon cher aviateur ? Écoute, ça va tranquillement. Hier, j'ai fait un total de 17 solo queues pour 8 victoires et 9 défaites. Je sais. Full hard stuck. J'étais là. On est là, on tank pour le stream. Mais sinon, ça va. En vrai, ça va. Et ouais, je vais lancer des solo queues ni demain parce que j'ai pas le temps. Donc vendredi, ça va repartir en solo queue et c'est ce que j'attends le plus dans ma semaine. C'est vrai ? Ouais. T'es crack addict à nouveau ? Ouais, sachant que en plus, là, du coup, il y a LFL, donc je peux pas. Et ouais. Ce week-end, il y a Open Tour, donc je peux pas non plus. Ouais. Et du coup, vendredi sera ma meilleure journée. Parce que c'est la journée où je vais pouvoir solo queue et je vais me déchaîner sur le ladder européen. C'est comme ça que je vois ma semaine, personnellement. Te déchaîner. Me déchaîner. Et potentiellement, run. Mais je pense que je suis vraiment en train de devenir fou comme jamais je suis devenu fou en solo queue. J'ai vu ça. Tu es sur une pente glissante. C'est pas désagréable. Il y a un monde où je me fais bonne Twitch, peut-être, on sait pas. Peut-être, on va voir. Peut-être juste avant l'open tour, ça mettrait assez bien. En parlant d'hommes qui se déchaînent sur la faille, Chipsou, bonsoir. Alors, on est où, Chip ? Merci d'être avec nous, Chipsou. Moi, je sais, mais peux-tu raconter un petit peu ce qui s'est passé entre la semaine dernière et cette semaine. Parce que tu sais, en LFL, la solo queue des ancêtres, c'est un élément important de l'édito. Bah écoute, donc si je veux être totalement franc, j'ai une vilaine loustrec. Sois franc. Mais non, à Emerald, t'as une loustrec. J'ai jamais atteint le Emerald encore. Attends, sur cette saison. Tréton, c'est un peu mon goal, tu vois, pour l'instant. Donc ne parle pas de sujets qui fâchent, okay, s'il te plaît. Enfin, voilà. Donc non, moi j'ai tranquillement loustré jusqu'à Platine 4. Aïe ! Où je me suis repris en main pour remonter Platine 2, puis redescendre Platine 3. Actuellement, Platine 3, voilà, très low, pisse low, même dirait-on. C'est combien terrible. Cette loustrec ? J'ai fait combien ? Toi, tu le sais, non ? 8 ? Ouais, je sais, ouais. 9 ? 8. 8 ? Putain, c'est beaucoup quand même. C'est pas mal, 8. 8 vraiment 8 d'affilée, ça fait mal. Ouais, back to back, ouais. Ah, c'est... Bah, on te souhaite bon courage, Chipsou. Merci. Hein. On fera certainement un état des lieux demain, durant l'after show. Deux semaines se sont écoulées depuis le dernier bilan. Il est temps de voir un petit peu si ça voilà. Ascensionne. Ça veut dire que je peux peut-être arnaquer d'ici à demain soir. La nuit est folle en Europe Ouest avec Papa Schulz qui est dans votre forêt. On vous le souhaite en tout cas. Allez mesdames et messieurs, on regarde ce qui s'est passé dernière journée en date de LFL pour se remettre un petit peu en condition. C'est un sprint très animé pour les playoffs. Ça commence, bien, vous voyez ici, avec Vita contre Bekarok. Vita qui signe une semaine en 2-0, Tréton. Ouais, qui commence à revenir vraiment dans le standing avec un Akhnako ici sur Aatrox qui a été catapulté par une superbe composition. Hein. C'est vrai que jouer Aatrox, quand tu as Karma et Senna derrière toi, c'est beaucoup plus simple avec aussi le Xin de Selfmade. Et les Bekarok n'avaient tout simplement pas les réponses nécessaires. Eux aussi ont tenté de jouer avec beaucoup de shield. Mais j'avoue que Orianna hiverne, même une semaine après, je reste pas fan du tout de la draft Bekarok. Ah, on est bien d'accord. Pour les Bekarok, on est quasiment qualifié, mais on n'y est pas encore. Et la tendance est pas très bonne pour ces derniers. On en reparlera. La Red Storm contre les Game Ward. Il s'agissait ici de la victoire des Géo durant cette semaine qui était tombée la journée d'avant contre la team du Sud. Mon cher Chipsou, un classique de Géo, j'ai envie de dire, avec un Jésus qui se molde. Bon, voilà, le clip est terminé. Je te coupe la parole, mais je te lance du coup contre le Casté Blue contre Aegis qui s'est terminé comme on l'attendait. Même si au début résistance honorable de Aegis, mais ça a rapidement commencé à devenir ingérable. La draft d'Aegis, on l'a senti, manquait vraiment énormément de dégâts. Il y avait de la tankiness, mais de la tankiness sans dégâts, à quoi bon ? Voilà, on se fait juste piller à petit feu, c'est profond effectivement. Comme le strike.
Solari contre BDS Academy. Et quel match, ouais. le probablement le meilleur match de la semaine passée, vraiment, avec le Lucas Indiqué qui a tout tenté. Mais la veille de Genax, pilote exceptionnel sur ce champion, il a vraiment réussi à faire parler la différence. Il a réussi à chasser surtout le Castanet en permanence dans tous les fights et à gagner du temps pour son équipe, puisqu'il est puissant à porter. Même si en duel de scaling, ils se sont quand même fait peur, puisque le Castanet Indiqué mettait des vilaines tartes. Ouais, c'était un match absolument fou, on vous le recommande chaudement, on va en reparler dans quelques instants. Maître contre Team du Sud, et bien Team du Sud également qui signe une semaine en 2-0, Chipsou. Oui, c'est leur première et on avait eu Fabien dans l'interview justement qui parlait de toutes les difficultés qu'avait rencontré l'équipe, de la progression, etc. Bon, grosso modo, son message c'était quand même on doit travailler sur tout, on a travaillé sur tout, on doit continuer à travailler, mais enfin on sent que ça nous sourit un peu. Et donc le bilan pour TDS, c'est que c'est pas foutu pour leur fin de saison. Ils peuvent encore rêver des playoffs, sachant que cette situation de playoffs est à partir de la 5ème place. Tout est à jouer, ouais. Hein, pour ce qui est au-dessus, bon, tranquille, je dirais, mais même si pas 100%, mais à partir de la 5ème place, c'est l'arène de gladiateurs. C'est complètement ça. Alors, pour remettre dans le contexte, BDS et KC, c'est bon, ils sont en play-off, Géo, ils sont à 99%, donc Tréton le dira lui-même. Mais c'est validé, Géo, c'est validé. Voilà, comme ça, je ne le dis pas moi-même. Bekarog un tout petit peu en dessous, et en réalité, vous verrez que dans les matchs retour, Bekarog, ils ne sont pas en si grande forme, il faudrait quand même valider cette victoire qui leur manque. Et entre Vita, Solari, Game Ward, Mate et TDS, c'est très très chaud et ça va commencer à se jouer aujourd'hui puisqu'on a le Quatuor à 6-8 qui va s'affronter. Et pour Aegis, il y a encore une infime possibilité. Tout dépendra un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui, mais elle est vraiment infime pour le coup. Il y a autant de chances que Géo ne se qualifie pas en playoff que Aegis y parvienne, grosso modo. Aegis, c'est une histoire de tie-break en plus. Il n'y a pas de scénario direct. Oh, ils ont 7 victoires max. Ouais. Il faut qu'il y ait un tie-break à 7, quoi. Ça n'existe pas. Ouais, c'est combien le pourcentage? Je crois que c'est 1 et quelques, mais on va y revenir juste après, bien sûr. Mais voilà, les scénarios ne sont pas très favorables pour le bouclier. Alors, mesdames et messieurs, forcément, on termine avec le récap de la semaine, la petite asset que vous appréciez tant, avec joueur de la semaine, équipe de la semaine, etc. etc. Joueur de la semaine, on a sélectionné Kedui, qui nous a sécurisé un pentakill avec Smolder la semaine dernière et qui est décédé, qui s'est fait éliminer qu'une seule fois durant les deux matchs. BDS, qui aurait très bien pu être l'équipe de la semaine avec cette série de victoires qui se porte à 8 désormais. Mais la Team du Sud réalise une semaine à 2-0 en ayant affronté Géo et Gentlemate. Ce qui est quand même assez big, honnêtement, pour la vague. Aussi, quelque part, c'est leur première. Ils reviennent dans les playoffs. Ils ont un niveau de jeu qui n'est pas évidemment parfait, mais un style qui est très intéressant à regarder parce que ça se joue souvent en teamfight. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, Team du Sud, équipe de la semaine, je pense que c'est loin d'être volé. Ouais, c'est legit. Match de la semaine, comme on vous en parlait, Solari contre BDSA, Castanet contre Vayne. Le champion de la semaine, c'est Aatrox, figurez-vous, car il n'a fait que gagner, tout simplement, notamment entre les mains de la Team du Sud, entre les mains de SLT. Il a eu un petit ban, il n'est pas omniprésent, c'est un champion qui est là et qui, quand il est piloté, généralement apporte le Nexus avec lui. Et la stat de la semaine, celle-ci est un petit peu plus choc-barre, très honnêtement. C'est ouf, hein. C'est le DPM de Smolder en LFL, il s'agit du champion, donc je vous lis le sous-titre, avec le DPM le plus élevé de l'histoire de la LFL. Et pour argumenter là-dessus, on vous a donné le récap, tout simplement, du dégât par minute des champions. Alors bien sûr, il y a une question d'échantillon. Hein, le nombre de games va lisser le DPM de manière décroissante, généralement. Mais quand même, le fait d'avoir un execute, ça filme la stat. Bah complètement, enfin t'es là, c'est des dégâts que t'es censé aller trouver en plus, et en fait t'atteins la petite barre et paf, ça complète. Donc ouais, c'est absolument énorme. Ziggs aussi, ouais, Ziggs derrière, bah DPM champion frauduleux mais Liandry notamment la saison dernière, parce qu'on n'a pas eu de Ziggsbot actuellement depuis les nouveaux items, on va dire ça comme ça, mais voilà, on a Way aussi qui se place plutôt pas mal, mais il y a quand même pas loin de, enfin il y a 140 de DPM de dégâts par minute de plus. Non mais Smolder est ridicule. Le deuxième ADC de la liste, il y a un petit cocon, mais il y a aussi un Ezreal qui, avec plus de 200 games, quand même un DPM qui est très très élevé. On sait qu'on a eu beaucoup de bons Ezreal en LFL. Et juste au-dessus de moi là, vous voyez, le Vel'Koz. Il y a eu 19 games de Vel'Koz en LFL. Depuis le début de la LFL en 2019. Moi j'aurais dit qu'il y avait eu beaucoup moins, tu vois. Mais à l'époque, on aimait bien dans. C'est vrai qu'il y avait Scarlett et tout qui l'a un petit peu joué. Il y a eu quelques midliners qui se sont essayés. Mais j'avoue que j'aimerais bien voir un petit Vel'Koz juste pour montrer que le champion est crack broken, puisqu'il peut tuer à deux écrans de distance. Et si tu n'es pas minimum challenger avec le champion, c'est que tu pues la merde. Tu vises quelqu'un en particulier? Non, du tout. Non, c'est juste un avis objectif. Très bien, merci beaucoup, pilote de F24.
On va passer maintenant à la suite parce que messieurs, on change de patch. Figurez-vous, on passe en live sur les serveurs sur lesquels vous et moi jouons. On est sur 14.5 depuis aujourd'hui. Du coup, en compétitif, on passe en 14.4. Quels sont les tenants et aboutissants du patch 14.4? Eh bien, on vous a fait un petit récapitulatif. Nous n'avons bien évidemment pas listé tous les changements de ce patch, notamment au niveau des objets. On ne va pas parler de Black Cleaver, on ne va pas parler de chapitres perdus, on ne va pas parler de ces choses-là. On va parler de ce qui, nous pensons, va affecter le jeu compétitif à partir de ce soir. Et donc, ça commence avec deux champions qui te concernent, Tréton, finalement. Oui, tout à fait. Harry, très forte. Moi, je pense que le champion était déjà jouable, de mon opinion. Et maintenant, il devient vraiment super solide. Je pense qu'on va le voir. Il y a des très bons builds en plus pour jouer Harry. Si tu me permets d'argumenter un petit peu plus, il y a aussi les buffs d'objets qui vont dans le sens de Harry avec Malveillance, etc. Mais Malveillance, Lich Bane, Zhonya, je pense que c'est un trio d'items qui vont parfaitement sur Harry en l'occurrence. Et Thresh. Alors j'aimerais bien avoir une discussion avec l'équipe d'équilibrage parce que je comprends pas ce qu'ils ciblent en fait. C'est un up offensif. Ouais mais c'est un up qui sert à rien. Enfin littéralement le. T'as vu les plays de Kharia sur Thresh en solo queue? Moi j'ai vu. Oui non mais certes mais. C'est n'importe quoi. En fait le champion pour le faire marcher faut être littéralement gotesque, faut qu'il ait exactement la bonne draft, faut que t'aies bonne essai avec toi, tu sais, il y a trop de trucs qui font que c'est très difficile et surtout up l'ultimate. Enfin, la régie sont des merdes. L'ultimate. Je viens de voir le Avengers le plus éclaté de l'histoire passer devant moi. J'ai eu honte ce qui vient de se passer. Mais juste, à quel moment tu up la CDR de l'ultimate? Ça sert à quoi? Bah pour avoir une box plus fréquemment, non? C'est un bon ulti, Thresh. Qu'est-ce que tu changerais sur l'octogone et tout? Non, mais c'est il faut qu'il soit plus tanky. En fait, soit vraiment plus dégâts. En gros, il faut que son early lane soit plus forte. Parce que du coup, le champion doit snowball. Donc tu veux augmenter ses stats de base. C'est ça. Et du coup, l'armure, c'est sympa. Mais je pense qu'il faudra un peu plus d'HP ou un peu plus de dégâts au choix. Mais sinon, le reste du champion est fine. Mais il faudra augmenter ça, je pense. Tu veux pas un cocktail aussi ou... Bah non, mais sinon, le champion sera pas joué, non. Ok. Enfin, je pense. C'est vrai qu'après, en late game, jouer Thresh. Bot fort. Très fort. Même en étant très fort. T'as un lanterne bot. Mais sinon, Jayce Renekton, par contre, c'est cool aussi. On parle de Jayce, effectivement. Jayce qui a récupéré un petit peu d'attaque damage, qui a une mécanique qui est proche de Lee Sin maintenant sur le knockback de son coup de marteau. Donc vous pouvez insec désormais avec Jayce, vous pouvez E-flash, sans pour autant que l'animation soit complètement bugged. Et du coup, y a, avec les objets létalité du moment, on sait que la létalité, c'est extrêmement fort. Donc Jayce qui pourrait signer son grand retour au poste de mid laner. Quel monde le jeu dans la jungle? Ferme-la. Avec mon expérience de Lee Sin. Probablement. Après, moi, je recommande plutôt Maokai Jungle, Jayce Mid, qui est une recette un petit peu plus décente, parce que sur la top lane, en réalité, il y a un autre champion, même deux autres champions, on va en reparler, mais c'est le grand retour de Renekton. Mesdames et messieurs, Renekton avec des buffs sensibles sur sa régénération, sur son Kull the Weak, sur son Q-Spell, du cooldown, mais surtout, beaucoup plus de points de vie sur son ultimate. Ouais, fort, hein. Et Chipsou, on sait que Renekton, quand il est en forme, c'est un champion incontournable. Mais enfin, ces ultis qui donnent des HP et qui up tes stats de combat en early, c'est vraiment... Enfin, moi, je pense à Voli Renek vraiment dans le genre. Et c'est vrai que quand ils prennent des HP en plus sur l'ultimate, ça devient des machines de guerre intuables en early game. Personne n'a d'égal à les tuer, bien souvent. Et donc, Renek qui va peut-être régner en maître de nouveau sur le top side. Même si... Je sais pas si ça va être aussi puissant qu'avant parce que du coup t'as pas le Herald pré-14. C'est sûr. Donc t'as pas ce moyen d'accélérer et d'aller farmer des golds un peu gratuits sur les plates. Voilà, tu vas jouer les Void Grubs qui sont toujours pas un objectif qui me convainc énormément. Donc je vois peut-être que ça va être moins gênant qu'avant Renek fort en early parce qu'il y a pas le Herald. On va voir, voilà, si jamais ça plaît aux équipes pro, bien sûr. Mais Renekton, Rush Eclipse, on le verra très certainement, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on passe aux nerfs. Ils ne sont pas extrêmement nombreux, honnêtement. Mais ils valent le coup d'être mentionnés, surtout pour l'un d'entre eux, mon cher Tréton, qui concerne ton poste de support. On commence avec Maokai. Maokai, mesdames et messieurs, qui est un petit peu affecté. Mon Dieu. Maokai, Tréton, on nerf les dégâts du Q, on nerf la durée d'immobilisation de l'ulti, mais est-ce que ça va vraiment taper la viabilité de Mao? Bah, j'aurais tendance à dire que oui quand même, je pense que c'est... En tout cas, son OPIT va être tapé. Exactement, nouveau terme. Je pense que le champion va être un petit peu moins OP, toujours jouable, néanmoins peut-être moins pris en draft, moins facilement jouable au poste de support tout de même. Donc dans l'idée... c'était des nerfs qui étaient nécessaires et qui pour moi touchent
plutôt juste pour une fois, sans totalement tuer le champion. Ok. Je vois ça comme ça, après. Moi, je trouve que ça ne change pas grand-chose, mais on verra, ouais, complètement pas. Les routes, le temps de route, moi, je trouve que c'est pas mal, quand même. Le temps de route, c'est 0,4 secondes, hein, tu sais, c'est pas... Ouais, mais c'est déjà ça. Hein. Tu penses qu'il faudrait plus ? Tu penses que ça change rien ? Non, mais à partir du moment où le champion peut flash Z... Il y a l'ulti qui est fort aussi. Je suis d'accord, ça change fort, mais le flash Z... Un autre changement majeur, celui-ci, et je vais prendre le temps de l'expliquer. Vous ne devriez plus voir aujourd'hui des supports avec un starter d'Orange Shield. Pour la simple et bonne raison que le bug ou la mécanique exploitée a été nerfée. Cette mécanique, c'est... vous achetez l'item de Doran, donc vous n'achetez pas l'item support, et que lorsque vous allez acheter votre item support une fois que vous avez 500 gold, en fait vous aviez déjà 3 stacks dans l'objet en lui-même, ce qui a été nerfé. Donc l'item ne pré-stack plus lorsque vous l'achetez à un moment ultérieur de la partie, et c'est donc du coup plus vraiment possible de bénéficier des deux, puisque c'était ça le truc qui exploitait très souvent. Corrige-moi si je me trompe. Non, totalement. Et puis en plus maintenant tu peux commencer aussi à stacker plus tôt sur la lane, là où c'était à plus de 2 minutes avant, maintenant ça... Qu'est-ce qui se passe en fait? Je pense que la planète est en danger, mais on est bien couvert, je pense. C'est la cour des miracles ici, hein. Ça n'a aucun sens. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde, les gens? Je ne sais même pas qui sont dans les masques en plus, c'est une honte. Ah oui, d'accord, salut, okay, je vois que c'est. Caster Illiguin, mesdames et messieurs, qui apparemment vous ont préparé de belles choses. Si vous aimez le FC, on vous le recommande chaudement. Continue, très bien. Non, juste c'est maintenant que c'est à partir de 1 minute 50 que tu peux stack, donc tu peux vraiment commencer à stack en tant que support dès la première wave aussi, ce qui change aussi la vitesse. Ouais. Ce qui fait qu'il va y avoir énormément de différence entre un mec qui l'achète après et un mec qui l'a acheté frame 1. Donc la différence est encore plus grande qu'avant, et en compétitif, les wards, c'est un peu important quand même. C'était beaucoup sur les lanes Senna que ça arrivait. C'était sur beaucoup de lanes en réalité. Si tu arrivais à prendre du farm en tant que support, en fait, tu back, tu prends ton item support, t'as déjà les 3 stacks et t'arrives et t'es au même rythme en fait que quelqu'un qui a start avec l'item. C'était ça un petit peu la mécanique exploitée, qui donc n'existe plus, et donc on ne verra plus ce genre de choses normalement. On parle de cas santé, les amis, up, nerf. Nous, on a décidé de titrer ça comme étant un ajustement. Je pense que c'est le bon terme, messieurs. En général, les ajustements de cas santé sont toujours des up, mais ouais, fine. J'ai pas un bac plus 5, c'est impossible de comprendre. Alors, bah, du coup, je vais expliquer un petit peu. Du coup, ces stats de base ont été augmentés. Hein, donc, plus de points de vie en début de partie, meilleur mana pool également, puisque ça a été un des nerfs précédents qui ont été réalisés sur le champion. Plus de résistance sur son Z, donc lorsqu'il canalise son pour Nazuma. Mais sa vitesse de dash... Ces dashs ne sont pas nerfés, c'est la vitesse de dash qui a été nerfée overall, ce qui change globalement pas grand-chose, sauf si vous voulez cancel cas santé, ce sera un peu plus facile à faire. Mais surtout au niveau de l'ulti, donc du all-out, eh bien le Q-spell ne ralentit plus de base, et l'ultimate ne réduit plus également le CD du Z-ultimate et la durée de canalisation minimum. Donc on va dire que cas santé est aujourd'hui un champion plus facile à lire lorsqu'il est sous ultimate. On peut, je pense, le résumer comme ça. Plus, le Q-spell ne ralentit plus sous forme d'ulti, ce qui peut être un nerf pour le premier ultimate. Mais après, généralement, on a un gant légivrant, donc ça ne change pas grand-chose. Vraie question, pourquoi ils se sentent obligés toujours de mettre des up à cas-santé à côté des nerfs qu'ils lui mettent? Ils ne peuvent pas juste le nerf? J'ai pas juste la réponse à cette question. Juste pétez-lui la gueule, quoi. Mais il a un très mauvais nerf sur le Q à Baello, c'est pour ça. C'est vrai. Sinon, littéralement, il tue le champion, parce que les lows sont trop lows. Du coup, ils ne peuvent pas jouer le champion. Mais c'est littéralement ça. Traitons a très certainement raison. Le champion disparaît, en fait, s'il le nerf plus. Ouais. Ce champion, en termes d'équilibrage, bonne chance, franchement. Voilà, bonne chance. On verra si ça impacte la popularité de Cassanté. Mais avec le retour de Renekton, normalement, on a au moins un prédateur aujourd'hui. On verra si la prophétie se réalise comme on l'entendait. L'arrivée d'un nouveau champion, désormais, enfin un ancien, mais qui va apporter un vent de fraîcheur à deux positions. Je veux parler, mon cher Chipsou, de Volibear. Quelle honte. Volibear, donc, up de movement speed sur son Q, le CD de son E qui a été réduit, l'ultimate qui a moins de cooldown mais désactive moins longtemps également les tourelles. Tout ça, overall, ça nous donne un Volibear qui est jouable à deux positions. Donc top lane avec ce build chasseur ingénieux, désespoir infini, Fimbulwinter, enfin une machine qui ne meurt jamais. Et en jungle, en version un peu plus commune, gros ganker qui cavale très très vite, et qui, mine de rien, je pense, va être le bienvenu
dans la poule de champion jungle. Ça rafraîchit un petit peu les choses. C'est un de tes champions de cœur, Chipsou. Ouais, beaucoup à la top lane à la base, mais moi je faisais des builds un peu plus offensifs que ça, parce que c'est plus marrant. Ouais. Après, c'est vrai que le champion est intuable à des dégâts de base qui sont monstrueux. Mais bon, de mon point de vue, après, le pick est fort en early, il faut l'exploiter en early game, parce que ça a toujours les mêmes faiblesses en late, qui est que bah, en fait, t'es pas une engage, tu te fais facilement kite, n'importe quel skill shot CC te calme, donc voilà. Néanmoins, un peu comme Renekton, machine à stats en early game, et donc si t'arrives à snowball à partir de là, c'est fort. Mais c'est un jungler, t'as besoin de l'activer tôt, quoi. C'est pas comme Rell, par exemple, qui, de mon point de vue, scale très bien, parce que c'est de fou, même en teamfight de late. Voli, c'est pas la même chose. Mais tu peux sur un match en early, je trouve. Ça donne quoi en OLO, Volibear, il est de retour? Ouais, il y a plein de gens qui le jouent, qui tentent des trucs. J'en ai vu un jouer... Predator volé tout dans la jungle comme un zinzin. C'est vrai que quand il... Predator ? Ah ouais ? Ouais, mais c'est un... La rune n'est pas morte ? Bah si, normalement, mais je... Enfin, je peux comprendre vite fait sur le champion, mais je pense que ce sera pas joué en compétition, ce sera joué exactement comme c'est mis là. Après, le Q-Spell, quand même, quand il court, maintenant il court vite, tu le sens. Il court vite, ouais. Il peut être quand même très très sensible à ce niveau-là. Mais surtout, je me demande à quel point dans les match-up il fonctionne. Autant je pense qu'on traînait avec ton et tout, ça devrait aller. Traînait avec la santé, c'est fort, Volibear. Bah ouais, et je pense qu'en jungle aussi, contre Xin, Rell et tout, je vois pas Volibear particulièrement mal se comporter. Le pire match-up de Volibear, c'est Lilia. Donc en vrai, il y a un monde où ça rentre dans le coup. Tu t'avais cassé la gueule avec ma Lilith. Fais le chien. Il y a une histoire. Non, mais on fait une in-house, et c'est à l'époque où j'ai spammé Volitop. On fait une in-house tranquille. Ah, top lane, t'as fait ça top lane. Ouais, et en fait, je me retrouve contre Twixtop, et donc je blinde mon Voli en mode bon, bof. Voilà, on va se battre, quoi, on va se foutre sur la gueule. Ouais, voilà, c'est ça. Et il pique Lilia, ce chien. Et vraiment, j'avais envie de l'insulter en slash all. Genre, je n'en pouvais plus. Il m'a pissé dessus. Je peux rien faire. Ouais, je peux rien faire. Ce serait très très drôle qu'il y ait un counter pick Lilia à voler aujourd'hui. Mais je pense pas. Bah, je parlais dans la jungle en l'occurrence. Mais même si ça rappelle de bons souvenirs. Donc voilà pour le récap de ce patch 14.4, mesdames et messieurs. On pense que c'est honnêtement un assez bon patch. Même si, overall... ça ne va pas révolutionner notre méta, les ADC ne vont pas beaucoup changer, mais sur d'autres postes, on va avoir un certain vent de fraîcheur et également peut-être des modifications insoupçonnées qui pourraient être impactantes. On parlait de Lulumid éventuellement, très tôt, on m'a mentionné tout à l'heure. On verra ce que nos équipes pro nous ont potentiellement réservé. On termine maintenant cette session avant de parler des matchs avec le Croc 40 de la semaine passée. C'est parti. Bienvenue dans le Croc 40, mesdames et messieurs. Je suis votre analyste financier. Mon collègue Noah, bien sûr, est malheureusement absent. Il a une mission très, très importante au Yémen. Mais je suis là, bien sûr, pour vous recommander et faire le bilan de vos investissements de tuiles de la semaine passée, donc semaine numéro 7 de LFL. Regardons directement en précision eh bien, le choix de vous, votre choix, chers investisseurs. Sur qui avez-vous le plus misé vos tuiles? Comme d'habitude, hein, évidemment, la Kermin Corp qui remporte la majorité des suffrages avec DBDS Academy qui, bien sûr, surfe sur le vent de leur série de victoires. 8 victoires d'affilée, quand même, c'est pas anodin. Solari Geo qui monte un petit peu, BKR qui stabilise, Gentlemate, ça commence à tomber très, très sévère. Et encore, pas grand monde ne mise sur la team du Sud. Pour Aegis, on peut plus le comprendre, bien sûr, vu la série de défaites qui les atteint, série de défaites de 8 également de leur côté. Est-ce que ces équipes constituaient les bons choix? Eh bien, normalement, si vous avez suivi la semaine passée, vous avez bien entendu réalisé que bah, le 2-0 de TDS, forcément, a nous donné une cote absolument fantastique. Vita qui signe un grand retour après une très mauvaise série de défaites. 2-0 la semaine dernière, c'était l'équipe sur laquelle investir. BDS Solari, ça valait également le coup, surtout pour Solari, étant donné qu'il y avait des affiches qui étaient relativement instables. Il fallait y croire, bien sûr, en cette équipe. Pour les BDS Academy, bon, on commence à connaître maintenant la qualité, bien sûr, de retour sur investissement. Bien entendu, pour Aegis Mate et Game Ward, ça a été flopesque la semaine passée. Et pour Geo et KCB, 50-50, puisqu'on n'a pas eu vraiment une semaine... unidirectionnel de leur côté. Donc Team du Sud et Vitality Beast, c'était les bons bêtes de la semaine passée, à voir si ça se confirme lors de celle-ci, sachant que ces deux équipes jouent
gros tout de même dans leur qualification potentielle au play-off. Le même commentaire peut être fait également pour les Solari ainsi que pour les Game Ward et les Gentlemate. Passons maintenant au pot Paris of All Time, là où bien sûr les cotes étaient les plus fabuleuses. Alors, il y a eu un 2-0 de la part de la team du Sud, donc c'était évidemment l'équipe sur laquelle investir cette tuile. Vous voyez ici une cote à 3,88 dans l'upset de la semaine. Victoire donc de la team du Sud contre la Red Storm. Et on vous remet en image, bien sûr, le moment où toutes les tuiles ont basculé. On va forcer l'engage de Prime. Est-ce qu'on peut one-shot Tix? Avec la poussée sismique, on peut le one-shot. Il va essayer de se retourner. Et le flanking! Le flanking de SLT avec la partition impériale! Et le teamfight de Géo se fait absolument démolir! Et c'est le push, c'est la gagne normalement pour les TDS! Et oui, 40 minutes de jeu, on était égalité. Ça se joue sur un seul et unique teamfight. Et c'est là que les portefeuilles ont bien sûr été massacrés. Voilà, mesdames et messieurs, on vous remercie bien sûr pour vos investissements tuilesques. On vous souhaite bonne chance dans vos cotes du jour. Il y a beaucoup de matchs qui vont être très difficiles à pronostiquer. On va en parler dans quelques instants sur le desk. C'est la fin de ce Croc 40. Et comme dirait mon homologue, à vous les studios. Merci beaucoup pour ce Croc 40, très cher analyste. On continue, bien sûr, avant de parler des matchs du jour, avec, mon cher Tréton, une petite préparation maison, ta sélection des plays de la semaine. Si tu m'as mis très très bien. Ouais, là, on va faire le top 3 directement de la semaine passée. Je vous invite à particulièrement écouter le cast de Chips pour le play de Fébiven, ou plutôt Fébivier, dans le, qui sera d'ailleurs le top 1 avec sa petite shockwave. Mais bon, ça, je vous laisse avec le top 3 de la semaine passée. Et ça arrose de partout, il y a Liandry, on voit que ça commence à fondre, la Shockwave qui va connecter sur Pride, qui est maintenant out. On renvoie Steelback à la base, tandis qu'on sécurise les tourelles en flanking. Peng s'est bien entendu fait attraper, les PDS Academy déroulent tout simplement, doublé, triplé, quadruplé. Le pentakill, le pentakill, il brûle. Pentakill de Kedui sur Smolder. Et j'ai chez Conan, puisque... il peut y avoir une flèche de cristal, ce n'est pas passé, la partition impériale. Par contre, est-ce qu'on peut récupérer la série du côté de Chatilus? Non, c'est bon, Chekolad avait parfaitement timé ses points de vie. Tonton kick! Oh là là, ça va être esquivé ici, White qui fait une percée ici, mais 113 qui prend le reset, 113 d'enchaînement de fou! 113 de double kill ici! Magnifique reset! Trouvé par Tobiego, il va essayer de se jeter sur Eka, mais cette fois-ci il tombera! Mais Chekolad est un énorme Chad! Un petit peu White, 4000 HP sur le dragon. Ah, on ça déclenche, SLT qui recule, on va focus. SLT. La Shockwave est folle, les mecs devraient se faire wipe après ça normalement. Bao parvient à s'en tirer, la réponse est non. Les mecs se font vaporiser sur ce teamfight. Quelle Shockwave de Fébivier! Shockwave marquante de Fébivier. Merci beaucoup Tréton pour ce top 3. Et sans transition, on passe au planning du jour. 5 matchs, bien entendu, comme d'habitude, pour conclure, pour entamer pardon, cette avant-dernière semaine de saison régulière. Bekirok contre BDS Academy, c'est notre match d'introduction. Vita contre Mate, 2 équipes à 6 victoires, 8 défaites. TDS Aegis. TDS qui pourrait porter le coup de grâce en réalité aux Aegis, et les Aegis qui pourraient rendre l'appareil effectivement. Géo contre Casey Blue, match palpitant bien sûr du haut de tableau, et Solari contre Game Ward, encore 2 équipes à 6 victoires, 8 défaites, hein. Le Quatuor à 6-8 s'affronte aujourd'hui, c'est une journée capitale pour les 4 équipes concernées. On va d'ailleurs parler plus précisément des probabilités d'accès aux playoffs, d'accès à ce fameux top 6, puisque aujourd'hui, rien n'est joué hormis l'auto-qualification de BDS Academy et de Carmin Corp et potentiellement de Géo. Voilà, vous le voyez ici. Bekirok, c'est quasiment fait. Mais vous voyez, là, voilà, on a Game Ward, Vita, Solari, Mate. On est entre 40 et 50% avec un TDS en embuscade. Bon, il y a Aegis aussi, hein, ne les interrompt pas. Oui, mais bon, 0,4%, il y a très très peu de chance évidemment pour Aegis, même si on leur souhaite le meilleur.
Et on voit quand même que Game Ward est la seule équipe qui arrive à passer les 50%. Forcément, les matchs retour font du bien. Absolument. Bah, match retour, justement, on termine là-dessus parce qu'on ne va pas avoir le temps de débattre. On avait préparé un petit peu plus de choses sur ce sujet de quatuor à 6-8. Mais voilà, les matchs retour, on voit ici les Game Ward qui sont à 3-5. On vous rappelle qu'en cas d'égalité entre deux équipes et égalité également au niveau du face-à-face, c'est le nombre de matchs retour remportés qui fait foi. Terrible pour Mate. D'ailleurs, cette situation, oui. Même si il n'y a pas une avance énorme côté Solari et Vitality B non plus. Enfin, je veux dire, en deux semaines, les choses peuvent changer, mais j'avoue, il va falloir se réveiller. Ah, on est bien d'accord. Et pour Bekarog également, mine de rien, même s'ils sont très très hauts en termes de proba, c'est pas fait. Et les matchs retour pourraient leur jouer des tours. On voit qu'ils sont vraiment en mauvaise situation, parce qu'une équipe qui est aussi haut dans le classement et autant de doses en match retour, c'est quand même que Bekar est en difficulté. On est bien d'accord. Mesdames et messieurs, on termine ce pré-show avec une nouvelle assez importante pour l'environnement compétitif. C'est l'indisponibilité d'Azir. Vous l'avez certainement vu dans vos propres parties. Lorsque Azir dash avec son EQ, parfois l'animation reste bloquée. C'est un petit peu bizarre. Vous avez expérimenté un petit peu ce soir? Pas vu. Non, moi je ne l'ai pas vu. Bah, en fait, il se téléporte un petit peu. Et c'est un problème qui empire de patch en patch. Donc ça a été décidé de le rendre indisponible pour ce patch-ci et probablement le prochain également. Donc pour les playoffs, on pourrait ne plus avoir de Azir, sachant que c'est le mid laner le plus représenté à travers la planète. Donc c'est un véritable coup de tonnerre compétitif, ce qui bien sûr a dû influencer les pronostics. On va observer ça nous-mêmes. Personnellement, j'ai pronostiqué avant de savoir, donc j'ai un peu le seum. Mais quoi qu'il en soit, personne ne voit Bekarog l'emporter contre BDS, Vitality Mate. Je crois en Mate et Robalas aussi. TDS, Aegis. Hein. Oh, Shriek qui tente un upset de zinzin. Ah, il a bien raison de tenter. On a quelques géos aussi du côté de Twix et Chips. Et on a un petit Game Ward. Ouais, Chips c'est en mode ok. Chips c'est maintenant. C'est après, en soi, Game Ward Solari, pour le coup, c'est beaucoup plus close que ça. Il aurait pu avoir beaucoup plus de Game Ward Primo. J'avoue. Bah, je suis d'accord. Et puis, j'ai regardé un peu l'historique de Solari et ils ont. Et contre les petites équipes, oui. Parfois, ça peut leur jouer des tours. Donc, on va dire, je me base pas forcément sur le pic niveau des deux équipes, mais plus sur. Parfois les mauvaises habitudes de Solari. C'est franchement, petite thèse de mon côté, on va voir. Peut-être que je fais l'upset aujourd'hui. C'est malin, mon cher Chips. On te souhaite succès, mais pas trop. Et mesdames et messieurs, on va pouvoir lancer cette 8e semaine de compétition, match d'introduction qui va opposer Bekarog au BDS Academy. Et comme d'habitude, on vous laisse avec le teaser du match de la semaine. C'est parti. Victoire de BDS. 8e semaine d'âge stylé à 2-0. I don't think against KC it will be any different than against other teams. It's just on us to win this game. BDS Academy, 8 victoires consécutives, 4 semaines d'affilée invaincues. Les BDS, ta série est impressionnante. Complètement la roquette de Paris, ça y est. On a réussi à trouver Kaika, qui va se faire one-shot. C'est peut-être le tipette pour les BDS Academy. On se projette facilement sur Mao. Les BDS Academy vont réussir à le faire. Et finalement, les mates vont devoir perdre. Pour beaucoup trop de dégâts. L'onde de choc, ça ramène Checolade. Checolade qui va tomber dans la foulée directement. Et là c'est la Bérésina pour les Bekarog. La KC se jette dans le fight. Et combien annihiler les derniers éléments des BKR. C'est terminé. C'est un clean ace pour Carmen. Positionnement du côté de Kedwin, le transfert qu'elle est dans le heal, on arrive à se mettre en sécurité. Ils ont une très bonne équipe et ils sont actuellement premiers, mais ils nous ont juste battu au LFL Days, c'était très close et on va leur montrer ce que c'est une équipe qui gagne des titres. Après le match aller au LFL Days, je pense qu'on est sur une très bonne lancée. On n'a pas perdu une seule game, c'est à eux d'avoir la pression contre nous, pas l'inverse. Compliqué, on n'est pas bien coupé. Génax arrive à flash out. Taker peut-être la partie sur Caliste. Caliste qui fait stand. Il y a encore le gardien. Il faut défendre Caliste du côté de la KCB qui va confirmer du DPS. Et de Génax à suivre. Est-ce que ça peut suffire?
Et bonjour à tous, on est directement dans la draft. Salut à toi Shrik, comment vas-tu? Ça va et toi? On est bien là hein? Eh bien moi ça va aussi, je suis content de cast cette partie de League of Legends avec toi. Moi aussi réciproquement, avec Carnage qui nous souffle des mots doux dans les oreilles comme d'habitude. C'est vrai qu'il a été insultant à ton égard juste avant qu'on reprenne le cast, mais c'est fine. Ouais, on s'en lasse même un peu, j'ai envie de dire, c'est redondant, tu sais, c'est les mêmes insultes, les mêmes comportements chaque semaine. Ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, il faudrait peut-être être un peu original, mais c'est fine, parce qu'on a un match banger aujourd'hui, c'est pas le match de la semaine, parce qu'il y a mieux demain, mais Pekarok contre BDSA. Ça se jouait entre ces deux-là, hein, de toute façon. Ça clique fort des deux côtés, mais bon, BDSA, top 1 actuellement. S'ils gagnent, je crois qu'ils sont quasiment d'office qualifiés pour les IMIA. Mm-hmm. Dont le format a changé XD. On en reparlera plus tard. Un peu plus tard, s'il vous plaît. Donc, on va voir. Ça va très vite. On a déjà les 6 bans qui ont eu lieu. On a un first pick Smolder qui est arrivé. Alors, Smolder s'est fait un peu modifier. Pas forcément nerf, juste modifié. Et Volibear qui est déjà lock Shriek. Ah, bah, très bien. Jungle top. C'est un bon flex. Surtout que on appelle ça le zombie build top lane. Mm-hmm. Oh, le champion a 8000 de shield à la fin de la game sur son Feeblewater, ou je sais plus comment t'appelles l'item. Une saison 14. Exactement, avec Ingenious Hunter et compagnie, c'est super fort. C'est vrai qu'on risque peut-être de voir pas mal le pick, le côté flex. En plus, c'est un flex qui est facile à intégrer, je pense, dans une game, parce que c'est un champion. Voilà, ça fait toujours office de frontline, alors qu'en général, il n'y a pas beaucoup de flex qui remplissent ce rôle. Parfois, les équipes partent sur des flex, mais qui sont durs à activer. Alors que de l'autre côté, on a. Voilà la compo Nuke qui va tout arracher de loin, Smolder, Way avec Rell qui synergise très bien avec ces deux champions là. Compo très saison 14 hein, pour les BKR avec ce Way Smolder. Ah, je pense pas qu'on va break le flex aussi vite sur Volibear. On a eu quelques bans à décès, mais on a déjà vu pire. Ah, tu vois, c'était la question que je me posais, c'est est-ce que vu qu'on n'a pas eu tant de bans à décès que ça cette fois, on en a déjà vu 5 ou 6. Est-ce qu'on allait prendre cet AD carry pour BDSA? Et oui, on va récupérer Kai'Sa. On a Volibear Kai'Sa qui est excellent en setupper. J'ai très peur de ce qu'il va se passer. C'est Volibear! Ber! C'est Volibear! Il a dit quoi, Shrik? Volibear? Non, ah, c'est Ber. C'est Ber? Ouais. C'est comme Cleanse, on dit Cleanse, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ouais, moi je dis Tiber aussi. Tu dis Volibear et Clint. Ouais, je dis Clint aussi. Ouais. Non, Volibear et Cleanse. Pourquoi tu essaies de que ça hurlé. Ouais, mais il est bizarre en fait. Il était complètement fou. Ce soir, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Bref. Mais ce soir, je sens qu'il va y avoir quelques dingueries. Je sens, ouais, entre les Avengers et ça. C'était quoi déjà Volibear? Ber. Volibear, t'es sûr ou pas? Oui, c'est Volibear. T'es sûr? Ouais. Attends, faut que j'aille sur Google Traduction et je fasse ça. Mais c'est sûr, bro. Et du coup, Kai'Sa plutôt que Nautilus, donc forcément Nautilus est ban en face. Nautilus qui a repris un peu en... Bon, il en avait déjà, mais qui reprend en priorité face au Smolder. Hein. C'est un champion qui est très apprécié contre. Le lock de l'ultimate into grab contre... Bah, c'est un peu... C'est un des némésis de Smolder. C'est banni. Ah, mais ça dépend. Si c'est en UK ou en US. Voilà. Bon, excuse-moi, je divague un peu. On verra, t'inquiète. Et en plus, Kai'Sa, mine de rien, avec Orianna Volibear, c'est bien parce que tu... T'as une bonne synergie entre les champions, tu te retrouves pas avec les drafts heavy utilitaires qui n'ont pas grand chose d'autre, type Hivern Orianna avec un ADC utilitaire. Enfin, y a pas, personne peut dive in. Y a pas cette coquille là. En vrai, les débuts de draft sont intéressants de chaque côté. Et on le rappelle, hein, c'est importantissime. Mais Azir n'existe plus. Enfin, n'existe plus pendant un petit moment. Il est disabled suite à un bug. Et on a Camille support avec le flex en top lane. En plus, on a le flex aussi en jungle top avec Volibear là. Volibear. Là, BDSA, Voli. Sont extrêmement bien au niveau de la draft. Ouais, Voli. Faut que tu fasses la Voli au niveau de la draft. Fou, mec. T'as dit quoi? En fait, il y a Carnage qui ouvre tout le temps sa gueule, j'en peux plus. Non, mais je vois. Faut vraiment qu'il la ferme parce que je ne peux pas me concentrer. Je suis désolé, mais au bout d'un moment, il rigole en plus. Bref. C'est pas comme ça. C'était pas les bruits de Voli, ça. Non, mais il est ridicule. Je ne change pas de position. Je suis concentré sur la draft. Enfin, Carnage troll. Normalement, on doit pas être à l'écran. Il est ridicule. Et du coup Renekton qui historiquement est un bon choix contre Camille, mais cette Camille n'est pas forcément au top. Il faut savoir que ça se joue au rôle de support. Et Camille au rôle de support avec l'ulti contre Smolder, c'est Pixel, et ce sera couronné d'un
Urgot, Urgot top lane, Camille support. Alors la Camille, on l'a vu en solo queue, on n'est pas surpris, mais tout de même contre un Brome, c'est pas si simple. Et le Urgot top, honnêtement, la pique. Mon honnête réaction à cette draft des BDS. Nani. C'est la première chose qui me vient en tête. Il y a beaucoup de choses qui me venaient en tête, mais alors vraiment pas le Nani. Mais Voli, Jungle, le Urgot top. Mais tu sais que leur draft est pixel perfect parce que on parlait du Nautilus qui est très fort contre Smolder, mais Camille fait a entre guillemets un rôle assez similaire parce qu'avec son ultimate, on l'a oublié, mais Camille, champion historique de l'histoire compétitive de League of Legends. Je me rappelle, c'est les Camille Nidalee il y a 3 ans au World, c'était la folie. Et là, une Camille support, bien avec Kai'Sa, forte contre Smolder, le fameux Urgot de Jhenax, il le préloque tout le temps en draft. C'est l'un des seuls qui le joue. Et t'en penses quoi toi? Bah Urgot en général. Non mais en général c'est plutôt on a quand même une draft tellement atypique. Est-ce que ça va être si simple à exécuter en game? Parce que tu vas pas forcément avoir eu l'occasion de la travailler beaucoup en scrim. Ah, je pense que ça va parce que c'est y a rien de très sorcier quoi. C'est une compo qui va all-in. Le focus est facilement défini sur quelqu'un. Le Urgot peut facilement avoir une cible à ulti. Il y a beaucoup de champions mêlés, Urgot excelle contre ça, donc ça devrait le faire. En tout cas, c'est parti. BKR contre BDS, draft de fou furieux, c'est maintenant. On est rentré dans cette première game de la soirée entre deux équipes du top tableau avec une draft totalement exotique. De côté de BDSA, Urgot top, Voli jungle, pas de risque ici. Et surtout Camille support, ceux qui ne savent pas, eh bien Camille support c'est très fort. Parce que Hell of Blade, passif niveau 1, plus le grappling hook, tu ne peux pas rivaliser. Tout à fait. Et l'utilité de la Camille scale toujours, hein, entre le E, entre l'ultimate. C'est des sorts qui ne perdent pas en valeur en avançant dans la partie. Et regardez les runes si agressives de la botlane Kai'Sa Camille. Non seulement ça joue double Hell of Blade, mais en plus ça joue le petit trésor. Ça veut jouer aggro et accumuler un max de gold. Attention Parus, cela dit ici, il va se prendre le passif. Il sortira sans trop de problèmes. Après un trade comme ça sur une Camille niveau 1 qui va à tout prix mettre sa domination sur le bot side, c'est pas mauvais. 200 HP en moins. Mm-hmm. C'est vrai. De toute façon, tu peux te mettre devant avec Anthera, ce n'est pas ce qu'il faut. En fait, il faut juste que Ansemdi arrive à flash out le niveau 1 de Parus, s'ils veulent le faire, évidemment. Astarto Z, c'est un champion qui s'active beaucoup par le all-in, Camille. Après, il y a toujours l'éventail qui peut être utilisé. Mais on est en compète, donc tu vois, on va sûrement. Bah, on n'a pas Starto grappling pour cette Camille support. Et ça me surprend tout de même. C'est très défensif hein, du côté de BKR, Cleanse et Heal. Ça veut scale, ça joue Brome, ça joue Smolder, ça scale bah, à l'infini hein, au niveau de ces deux champs. Ça, franchement, au niveau du scaling, Camille support, c'est vraiment pas mal aussi. Donc on va être... Qu'est-ce que tu fais? Non mais c'est... En gros, Karnage est passé devant nous. Il ouvre, je sais pas comment ça s'appelle, mais une énorme boîte noire et grise. C'est les cases où tu ranges énormément de matériel technique. Donc Carnage, voilà, prod de la régie, tout ça qui ouvre cette boîte, je me dis, il va sans doute sortir une dinguerie, quelque chose régie, de très pointu niveau technologie. Et il a sorti un paquet de gâteaux. Un paquet de gâteaux déjà ouvert et il repart avec dans la régie. Voilà exactement ce qui vient de se passer juste devant nos yeux. Comment rester sérieux? C'est pour ça que tu étais déconcentré. Bah écoute, pas trop surpris, il va pouvoir nourrir la régie. Ça. C'est trop dur de caster la LFL de toute façon. Bon, c'est Urgot pick. Normalement, c'est totalement gratuit en top lane avec ce last pick Red 5. En témoigne son start Doran Blade. Il n'a pas peur de ce Renekton. Renekton qui a été buff, mais Jhenax sur Urgot, il sait ce qu'il fait. Doran Blade, presse d'attaque. Il est là pour en découdre. Je soupire parce que Carnage ne fait pas son travail. Je suis désolé, mais... C'est dramatique. Bref. Bon. Les lumières! Ah, c'est vrai qu'il avait dit qu'il allait éteindre les lumières et
il est allé dans le local technique chercher un paquet de gâteaux plutôt que le faire. Bah, je comprends que ça puisse un petit peu t'énerver, effectivement. Et il a allumé les lumières à 200% ensuite. Oh, attention, il y va pas, Russe, il va toucher. En samedi. Bah, en vrai, pour l'instant, ça va pas être trop dynamique sur le bot side. Et pourtant, Camille support, tu vois, c'est un pick qui va vouloir vraiment tease en early game. Brome neutralise une grande partie de l'agression, mais c'est surtout sur top side. L'investissement d'Urgot, on a besoin soit d'une pression en side, soit d'une énorme machine à tuer en teamfight. C'est pas si simple de jouer Urgot face à Way plus Molder. Donc je m'attends plutôt à voir Jenax exploser la side lane tout simplement. Et heureusement qu'ils ont un Brome. Parce que Brome à la réception contre des compos qui engage, c'est quand même très très fort pour les applications de passif, enfin tout en fait. C'est un champion qui absorbe, qui éponge très bien pour son équipe. Donc vraiment avoir cette frontline assez dynamique qui peut se projeter devant, Renekton Rel, c'est très important quand tu as Way et Smolder. Avec le Brome qui lui peut rester derrière avec ces deux-là. Oh. On a quand même un très bon équilibre aussi dans la compo BKR. Il n'y a plus de tâche en plus sur ce Renekton. On est totalement coincé. Attention, on va pas prendre le trade kill tout de même. Jenax ici qui tombe un peu loin en HP, mais pas de problème. Le premier s'empare dans les mains de BDSA pour le volley. Très bonne opération. Cependant, Rowling ne perd aucun summoner. C'est un kill gratuit pour un volley. C'est dommage qu'il ne parte pas sur l'Urgot, mais on a vu, hein, trop low en HP. S'il y avait eu un flash in the Rowling, ça aurait pu trade kill. Tout à fait. Ça donne place aux petites larves du néant, donc c'est tout bénef. Et on peut clairement noter que la compo BDS est forte en early, bien qu'il y ait une Orianna, parce que tu regardes juste les runes, double press d'attack, double Hail of Blade, ça a un impact, ça a un réel impact sur cette early game. Bon, attention, les deux junglers qui vont se rencontrer ici, tout le monde a déjà récupéré deux grubs. Il va laisser tranquillement. Très bonne opération. Hein. Ouais, la troisième larve à 113. Ah, le fait qu'il ait eu le temps de faire ça, en plus d'être intervenu au top, c'est vraiment excellent pour le coup. Ouais, t'es bien content dans ton clear de jungle de pouvoir prendre la première larve. 40 CS first blood, ce volley est PTA. Est déjà lancé. PTA, donc ça fait mal. Volibear, faut pas sous-estimer en jungle. Je m'attends à voir un petit Drake gratuit pour BDSA. Aucune contestation de Bekarog. Parce que s'ils le font, c'est le moment pour Camille de jouer. Il y a un flash qui va partir. Moi, j'attends juste la réactivité de Parus. Parus, ici, son but, ça va être d'instantanément trouver une cible isolée, de pas avoir d'hésitation, flash in. Et c'est forcément un flash out, voire pire, de réclamer. Parce que sur ce bot side, tu l'as dit, double level of late, ça donne envie de jouer, mais Brome, Smolder, Cleanse, Heal, en 2v2, c'est dur tout de même. Honnêtement, les deux drafts sont pas mauvaises. Celle des BDS est très surprenante, mais ça pourrait tout à fait marcher une compo all-in. Hein. Tout le monde se relaie sur l'engage. Et avoir un Urgot dans une compo all-in, je trouve que c'est pas mal. Oh, attention ici, ça bait une engage. C'est un 3v3, ce que le monde est là. Et il est niveau 6. Volibear niveau 6, ça spike très 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 fort. Va-t-il pouvoir se jeter dedans? Ça existe que le Brome tank. Et le Brome a mis des stacks un peu partout, donc le 3v3 n'est pas garanti. Et voilà la puissance de Brome. On a un petit aperçu de la chose ici. Je m'attendais vraiment à ce que les BDS go in, surtout avec ce spike 6 du Volibear. Et non, ils n'ont pas tenté le diable. Et on va récupérer ce Drake qui est totalement gratuit normalement, hein, parce que si on conteste pour Bekarog, explosion instantanée, on a forcé de heal sur Antera. Mais tout de même, survivre sur 3 contre 3, on est bien content. La Camille n'a pas encore eu l'occasion de trouver un kill ou une assist. Niveau 6, t'as normalement un énorme setup sur le reste de la carte, donc je m'attendrais à voir un petit Parus qui se balade, tu sais, qui revient voir les larves, ultimate sur la première target. Et là, il n'y aura pas d'échappatoire, mais on en est encore un peu loin pour le niveau 6 du support. Tout à fait. En tout cas, l'early game, bien géré par les BDS, avec cette Orianna qui scale en solo AP. Équilibré là, on le rappelle, hein, les BDS toujours sur une immense série de victoires. Ils sont à 7 ou 8, si je ne dis pas de bêtises. Sachant que la semaine dernière, ils étaient à un pixel de perdre cette série de victoires contre les Solari, mais ils ont quand même réussi à clutch. Réel. Les BDS, réel. Toujours pas tombés au combat. Et là, ils nous sortent la grande draft, ce début de semaine de LFL. Attention à la présence de Skew derrière, il y a beau avoir un flash, Tcheco, je ne suis pas sûr que ce sera facile de l'esquiver celui-là, flash il est excellent, la shockwave derrière, full CC, aucune réaction possible pour Tchecolade qui va se faire assassiner sans même avoir le temps de flash out. L'interruption de Parus n'a pas eu, il n'a pas eu le temps, il pouvait pas tout simplement. Excellente opération pour BDSA, 2-0, et on va prendre le respawn des Raptors, Marek. Skew monde qui... niveau 6. Dominant. Et quand on sait que ce champion était également un flex pick dans la draft, et qu'on voit tout ce qu'il fait ici, bon certes ce n'est qu'une game, mais voilà, on devrait le revoir
ce fameux ours. Ah, il est vraiment enable. Et là, la vision, regardez, elle est prise très très haute pour les BDS. Ça joue ping tribush, il y a aussi une ping près d'Everest, une ward encore plus deep. Là, ils ont vraiment tout le contrôle du bot side. Ils ont récupéré les grubs. Là, les BDS ont un plan de jeu tout tracé. Continuer de maintenir la domination. Ils auront leur spike d'item avant. Et bah, jouer ces dragons pour compenser. On pourrait peut-être parler de compenser le scaling adverse. Peut-être il y a quand même Way et Smolder, Broom, les gros carries du moment. Oh. On n'est pas loin pour sauver Lee, mais il y a aussi la rotation de Checo. Est-ce qu'on pourrait pas trap dans la river? Checo, il a son flash de disponible, le Fear connect, mais maintenant il faut courir dans la river. Il est un peu abandonné à son sort ici. Il va falloir flash out pour Checo, il va falloir flash out. Le teammate qui connecte Parus, qui a isolé Checo, c'est du 3 contre 2. Attention, l'arrivée de Skumon dans la mêlée. On a des bons dégâts de ce wave, mais ce n'est pas suffisant. Excellente opération pour BDSA, et ce n'est même pas fini ici. On trouve la plante pour s'échapper. Mais l'ultimate de Camille aura connecté. Et ça donne un kill de plus, Marex, un kill de plus. Clairement. Ah, ils ont de la marge, hein. Ils peuvent se permettre de forcer. Ils ont les stats, ils ont tout ce qu'il faut en early. Les runes, les champions, les lucidités. Ils ont bien raison d'aller chercher les adversaires comme ça. Aucune hésitation dans le game plan de Skew. On a isolé Checo. Parus a trouvé le flash-in ultimate. Et Skew, il voit, il y a trois joueurs derrière le mur. Pas de problème, j'ulti-in. Coincé. Le midlaner de Bekarog. Parus qui a un petit peu raté son flash, mais... 113, tu vois, il a pas réellement d'engage ici à mettre. Parce que si tu engages sur le support jungle adverse, c'est-à-dire que Kedui et Ricker sont free derrière. T'as pas envie réellement de faire ça, mais il l'a quand même fait. On a vu que le résultat, c'était un kill de plus pour BDS. Hein. Assez rude, parce que la compo BDS gagne en early. Ils ont des champions qui, avec une légère avance, deviennent assez vite tanky. Un Volibear devant dans une partie avec son ultimate... On l'a vu ici, ça peut tanker le monde. Ah ouais, Shockwave pour dominer sur Checo. Checo qui n'a pas de flash, pas de téléportation. Alors qu'en face, bah, c'est des champions qui vont vraiment manquer de dégâts tant qu'ils n'ont pas leurs items. Hein. Way et Smolder ont besoin d'un peu de temps. 27-28. Bro Merel ne vont pas compenser ses défauts de dégâts en early game. Et le Renekton, lui, est toujours isolé sur sa top lane. Le Renekton, il va vouloir se sentir à l'aise ici. Il a la vision deep. Il est dans la river, donc il se dit qu'il n'y a absolument pas la position de Skewmond top side. Et ça pourrait se retourner contre lui, mais tout de même, il y a double dash, attention, on se fait avoir ici, Rowling, il doit craquer de l'ultimate, il y a un dash out qui part un deuxième, est-ce que le flash va survivre? Attention, on a réussi à connecter pour Jennark, maintenant il suffit juste de le tomber assez loin, et évidemment, un quatrième kill, le flash out de Rowling est bien trop tard! Est-ce que le monde est en train d'arracher la game? Il est partout! Qui a bien encaissé le Renekton, qui reçoit un gank et qui maintenant va pouvoir commencer à ce nouveau, là, parce que Urgot, faut pas l'oublier, c'est un champion qui scale assez fort, qui a de très bonnes options de teamfight, de très bonnes options en side. C'est pas n'importe quel champion, Urgot, hein, quand ça commence à avoir des items, surtout lorsque c'est bien maîtrisé. Ah, ce Q, il est en train de. Il est en solo Q. Tu sais, où qu'il aille, il gank, il prend un kill ou une assist, il repart, il clear, et instantanément, c'est le genre de game un peu parfaite de jungle, où chaque seconde de temps libre est bien utilisée. Ouais. Et il y a peut-être un petit manque. Ouais, c'est juste une bonne exécution de la part de Skew, mais tout de même, on meurt sur tous les ganks de Skew. Ouais. Mid, top, deux fois, et bot. Il est très impactant et il réinvestit dans un ciel éventré pour bien snowball sur son volley. De toute façon, ça va être le même item pour Parus. T'imagines, t'es en face, t'as un support qui va avoir peut-être plus de gold que ton carry. Ah, c'est vrai que c'est terrifiant. Tu vois, je rigole si dans la game, il y a Parus qui 1v1, soit on s'est dit, soit chocolat avec sa Camille support. Ça va forcément arriver, tu vas voir. C'est possible. Et le Drake récupéré à 12 minutes, déjà le deuxième. C'est excellent, attention Ricker qui va peut-être devoir flash out. C'est un peu tard, peut-il tanker? Non, il a l'ultimate sur la tête, oh, le shift. Qui revient. Et Parus qui arrive, Ricker a survécu. Ricker ne donnera pas le premier kill à Bekarog ici. C'était pas simple pour Ricker de survivre sans Mercure ici. Parus le sidestep, mais il va se faire attraper tout simplement. Oh, très dur de sortir de là. Et Ricker qui s'est fait snipe par l'ultimate de Hansam. Dit très très belle opération des BKR. J'ai menti, Ricker est la première mort et derrière on a eu Parus aussi. Évidemment, c'était pas une bonne opération, mais on a récupéré le deuxième Drake. La soul devant ne fait pas si plaisir que ça. Tout de même, on aurait bien aimé avoir une soul infernale, extec, n'importe laquelle d'ailleurs. Et d'ailleurs, les kills qui vont et sur Smolder et sur Way, franchement, ce fight est bon. Fait gagner énormément de temps au BKR qui était en train de couler. SQ, il est au courant qu'il n'y a pas de flash. Je m'attendais à avoir une petite dinguerie ici parce qu'il avait son ulti, son flash, je pense, premier degré. S'il arrivait à timer son ult, c'était instantanément FF pour Checo, mais bon.
Il n'a pas l'information de ce qu'il y a derrière. On prend pas ce risque et on revoit l'action, hein. Ricoeur qui sort. Il s'en sort bien, un flash out audacieux, bien qu'il n'ait pas de Mercure. Il a réussi à tanker ça. Pas réussi, il est passé du bon côté et là il passe du mauvais. Derrière Ricoeur, il est en mode ouais, je peux peut-être aider mon support. Tu mens pas. Il se fait sniper au loin par l'ulti Brome plus l'ulti dans le samedi. Et ça, bonne opération pour Bekarog qui en avait vraiment besoin, cruellement besoin dans ce livre. Ça leur permet d'avoir un peu de temps. Là, mine de rien, ils ont tous leur spike premier item. Donc pour l'instant, ça joue. Faut encaisser, faut laisser le Smolder accumuler ses stacks. L'archange se construire. Pour l'instant, ça va, ça joue. Ça joue toujours. Attention au scaling des Bekar quand ils seront bien regroupés à 5. Parus qui se chauffe, Kedui. On a une envie de follow-up, on a tout mon niveau 9 qui arrive sur le côté, mais Chekolat est là en backup, Shriek. C'est du 3v4, attention Chekolat qui arrive sur la derrière, on va double ulti out, Parus qui va flash out et Kedui qui se fait un peu kidnapper ici. Il reste deux marques, une dernière marque de Brome, ça va cleanse instantanément. On n'a pas bougé pour Ricoeur, mais personne n'est mort du côté de BDSA. Ah, l'opération. C'est très bien joué hein, de la part des BDS. Regardez les barres de points de vie Becker, sont très faibles. Et Ricoeur au mid devrait peut-être prendre cette tourelle. Il va la prendre assurément. Toutes les waves perdues, c'est vraiment énormément à l'avantage des BDS. On en voit rarement. J'ai remarqué qu'on en voyait rarement actuellement sur League of Legends des T1 mid tomber comme ça nature. C'était quelque chose qu'on voyait un peu plus à l'époque. Là c'est un luxe que les BDS viennent de s'offrir et ce luxe ils vont aussi l'obtenir sur Antera qui va tomber, qui va récupérer le kill. Ce sera Skumon une fois de plus. C'est gratuit là l'ultimate de Parus, c'est vraiment dans ce genre de situation que ça excelle. Quand on a fait un pas de trop pour Antera parce que techniquement ils peuvent flash out, dash out. Pas contre Camille malheureusement. Et là comme tu le disais, le pour récapituler c'était vraiment un gamble de la part de Bekarog. C'était on vient à 4 bots dans un timing qui n'est pas très intéressant pour la mid lane. Si on prend 2 ou 3 kills, la game on la remet en marche. Mais là, on a pris 0 kill, on perd la T1 donc en compensation. Bah, c'est dramatique. Et en plus, derrière, le support meurt. Donc là, on a investi pour perdre. Tu connais un peu l'investissement Alors, il a investi, il a perdu. Ça m'a pas l'air très rentable. Ah, ça m'a pas... le compo sur Chocolat, est-ce qu'il peut s'en sortir? Le flash out, il y a le Brome qui arrive et il n'y a pas de heal de disponible. Il manque une auto-attaque, il manque un seul spell et on n'ira pas plus loin pour ce Q. Mais ça terrorise le mid laner de Bekarog. Ce volley est inarrêtable, Parus sur la top lane, il envoie quelques dégâts avec la Camille. Est-ce qu'on peut finir? Oui! Ça touchera! L'ultimate touchera et Oling se fera désintégrer par le Urgot. Et on est déjà en train d'invade sur le top side, ça snowball très très fort pour les BDS. Il y a plein de camps de jungle à voler, une T1 top à récupérer, un héros de la faille à jouer. L'accélération est au moment opportun pour les BDS. C'est très 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 bon. T1 top, comme tu l'as dit, on a récupéré beaucoup sur cette opération. On est en train de dominer un peu partout sur la carte, tout simplement. Ce Urgot va arracher la game. Quand il va avoir deux items là. Merci pour la curse, parce que là, Jenax, il a son flash de disponible. Il y a trois joueurs qui arrivent, le flash out. Est-ce qu'on y va? Parce que Stantress, il a son flash. Et je pense que c'est un kill gratuit à récupérer. Tcheco qui met absolument tous ses spells. C'est un shutdown qui part dans les mains d'un Way. Et ça fait un peu mal. Merci, Marek, d'avoir encensé Jenax juste à l'instant. Mais ça va pas l'empêcher d'arracher la game, Shriek. Il n'a pas perdu de ressources là-dessus, tu vois. Bah moi j'allais dire qu'il était un peu timide en early game, parce que tu sais des fois on voit des Urgot plus agressifs. Après, mais... il joue contre Renekton. Il joue contre. Mais tu vois, c'est de la timidité gentille, tu vois, ça gagne sur le reste de la carte. Donc il n'y avait pas besoin de forcer, tu vois, ce 1v1 top. Surtout qu'il sait très bien que putain dans la partie il va être une machine dans sa lane avec son ultimate et on le voit. Après c'est peut-être que j'ai des billets anciens vis-à-vis d'Urgot, tu vois. Tu sais, il y avait une époque, j'étais à quoi, il y a 8 ans, 3 ans, 4 ans, non, pas si longtemps que ça. Il y avait pas mal d'OTP Urgot à très haut elo sur le serveur et il faisait n'importe quoi sur le champion, tu vois. Non mais un Urgot qui est fed et qui sait bien jouer, t'avais l'impression que... Mine Marek de retour là, t'étais en train de sortir. À l'époque où tu jouais, tu voyais des Urgot top vraiment rapides. Non mais avant, il y avait des OTP Urgot à haut elo, sur, il y a 3-4, c'était il y a longtemps. Je sais pas, il avait été déjà bien avant que j'arrête, tu vois. Et le pic bien maîtrisé est très très fort. Mais très peu de gens le jouent actuellement, Jenax. Qui nous le préloque à chaque fois et qui ici a saisi l'opportunité. Tu m'as fait un petit élan de nostalgie là. Tout dépend bien sûr de son ulti. Hein. S'il arrive à toucher, flash in, ça peut solo win un fight et c'est peut-être maintenant on a envie d'y aller. Mais attention à ce bloc BKR, vraiment très puissant dans la réception grâce au Brome et à Rell qui peut réengage. Mais là évidemment, sans Way, ça ne s'active pas vraiment. Ils doivent vraiment être à 5 les BKR ou du moins à 4 sans le Renekton. 18 minutes de jeu, 3 Drake stackés. Heureusement, au Bekarog, c'est pas la soude la plus broken ici. C'est parce que franchement, ça aurait pu être bien pire. On a tous les objectifs de quasiment pour BDSA. Que 4 larves dans la game cependant.
Et normalement, bah, on va dérouler avec 36 d'avance mid lane. Le seul point négatif, c'est le Smolder. Moi, je pense que la Cloud est forte, tu vois, genre vraiment. Ah, moi aussi. Mais je t'avoue que. Surtout dans une compo all-in où tu joues Kai'Sa, Kami, Urgot, Voli, les 4 en font un super bon usage, tu vois. Urgot, il envoie son avant, il peut avoir un stéroïde de MS, Kami, pareil, franchement. Urgot, il te court dessus à pareil pour Kai'Sa. Ils ont des champions qui l'utilisent à merveille. Et là, Parus sur Tcheco, il va falloir trouver une solution. Tcheco ici, il y a une téléportation, double téléportation. Là, le combo d'ultimate est impressionnant de la part de BDSA. Le Zonia de la part de Ricker, attention parce qu'à l'arrivée, il y a Olin qui va trouver un flash in excellent. Normalement, c'est un kill. Un petit shutdown, 350 gold de récupérer pour Bekarang. Et on sort et de l'autre côté de la carte, on va récupérer ce héros de la faille. Un pour un. Belle opération tout de même pour les BDS. Hein. Kai'Sa était sur son reset. Volibear était en train de faire le héros de la faille. Petit 1 pour 1, on prend pas de tour. C'est correct. Ce BDS récupère le héros de la faille. Kai'Sa récupère de la farm mid lane. Elle continue de scale 2 items. C'est ok. La Soul qui devrait être récupérée on CD. Ah, la Soul, franchement, comme tu l'as dit, elle est forte. Mais tu vois, il y a tellement de biais d'équipes qui sont en mode ouais, c'est la Cloud, vas-y, on leur laisse, on attend le scaling. Alors que ce serait n'importe quel autre Soul, ce serait. Instant de dépression, il faut y aller, il faut se battre. Bah en fait, le Cloud Soul, c'est. Au tout début, c'était assez mauvais, mais c'est quand même une âme qui a reçu pas mal de buffs. Alors on voit Ricker qui essaye de réduire un peu les dégâts subis aux Zonia, mais le flashing d'Oling était là. Ricker, il peut rien faire, c'est un Renekton sur son spike niveau 12, avec Eclipse, flashing sous Fureur, avec 300 HP sur ta petite Orianna. Rien à faire. Il a bien temporisé cependant. Et Oling n'aura pas de flash pour le quatrième dragon, qui est un timing super important. C'est bien vrai. Zonia complétée par Ricker. Un setup assez défensif sur cette Orianna. Très légèrement dommage en tant que solo AP, mais bon. Elle risque de pas mal se faire focus, donc on peut comprendre. Ah, je suis quand même surpris de voir. T'aurais fait un Zonia là sur Orianna en 2 contre la draft adverse dans un une solo game, AP dans une game où il y a autant de teams, ta team va vers l'avant, tu peux te permettre de pas faire Zonia. Ouais. Bah, surtout qu'en face, il n'y a pas cette Camille, il n'y a pas cette Kai'Sa qui vont t'attraper. Bon, après, il y a quand même de l'engage, hein. On parle de Rell, ouais, c'est ça. Flash, ouais, tu vois, avec le follow-up de Renekton. Si t'avais un champion qui pouvait ignorer l'affront adverse, je pourrais faire un Zonia. Mais dans cette game, le problème, c'est que franchement, c'est difficile d'aller chercher Ricker. Il faudrait que tu double dash avec Howling, mais genre à travers tout le monde. Oh, je n'y crois pas une seule seconde. Donc ouais, après s'il veut faire son Zonia et juste jouer utilitaire, pourquoi pas, son carry ici, va falloir activer son Zonia. Là, le Zonia ne servira à rien, je pense, à gagner un petit peu de temps, mais plus de flash pour Ricker et il se fait attraper une fois de plus. Kill sur le Smolder. Et B. Bah écoute, Zonia n'est pas suffisant. Il faudrait peut-être faire une Banshee. Pour le coup, en vrai, c'est une bonne opération pour Bekarog parce qu'ils peuvent peut-être récupérer de la tempo sur la carte. Après, Jinx est en train de flanquer. Faut juste ne pas se faire catch. Hein. Je pense pas qu'avec Orianna tu puisses te permettre d'avoir plus de morts que le reste de ta team. Oh, attention, on se fait attraper ici. Le Urgot qui tank, mais les AOE et les dégâts sont très très bons. Jinx qui tank, qui sortira de ce fight, qui lui se retrouve un petit peu seul. Il doit ultimate, il doit flash, mais il se fait ramener. Peut-il sortir de là? C'est compliqué. C'est ce que monde qui va se donner peut-être pour sa team. Non, il a juste gagné du temps. Les BDS qui résistent et qui se protègent les uns les autres. Ça doit être un colnage pour Bekarog instantanément. Évidemment, on a sorti Skew, pas d'ultimate, pas de flash. On est peut-être en train de braquer la banque du côté de Bekarog. Il y a une téléportation de la part de Ricker, j'imagine. On va revenir, on n'arrivera peut-être pas à temps. On n'a pas tant de DPS que ça, mais tout de même 10 000 HP sur le Baron Nashor. Skew est de retour. Il a son smite, mais il n'a pas de flash, pas d'ultimate. Et là, on l'a vu, hein, la compo BKR A5, ils sont très 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 forts. Ok, Ricker qui vient de récupérer sa shockwave, les HP du Baron Nashor sont très loin, il va falloir aller, mais il se fait engager, il se fait attraper par la reine, va-t-il se faire one shot, il a eu le temps de mettre sa shockwave, mais ça ne suffira pas, le bloc BKR est surpuissant, Jedax qui a tenté un ulti de furieux, mais c'est pas passé malheureusement. Il a encore des missiles qui est il va juste vous trouver peut-être le missile sur Tcheco, non, c'est un Drake gratuit pour BDSA, on a cancel tout de même le Nash, on n'a pas voulu le flip pour 113, on a préféré hard engage sur Ricker une fois de plus. Passe pas la meilleure des games actuellement, mais tout de même la Soul part pour BDS là, on récupère pas mal de gold pour Bekarog. Ils s'en sortent bien BDS avec ses plays ça aurait pu être pire. Ratés. Ça aurait pu être mille fois pire. Par contre, ils arrivent à récupérer le quatrième Drake gratos. Molder 4-0-1, 219 stack Marex, il y a une game.
Ah bah de toute façon les BDS auraient dû réussir à accélérer sur les timings où ce sont eux qui se sont fait cash notamment avec cette Orianna. Donc la game est évidemment très dure. Hein. Et là, le ratio dégâts tankiness va être je pense en faveur des BKR. Hein, parce qu'ils commencent à avoir des items, du cœur gelé, du Solari, tout ça, alors que les BDS eux ont pas tant progressé. Bon, Tcheco qui se fait 4 heures de position, il se porté au flash out, la réengage. Kedui qui va dans la backline, qui assassine Tcheco là. Derrière, il peut s'en sortir, il y a Jinak qui est là pour le cover. On a les dégâts justement sur 113, et déjà 2 kills de récupérer pour BDS. Là, l'ultime est en samedi, il fera rien. L'agression de la part de Skew, on n'arrive pas à tuer en samedi. En samedi qui est en free DPS, la shockwave, elle est partie dans le vide, je crois bien. 4 oui, oui. Kills, le 5ème qui peut arriver, non. En samedi va trouver un bon flash out. Et on aura pris 0 kills pour Bekarog. Oh, le fight de Kedui, incroyable. Hein. Il s'est lancé dedans. Il a assassiné le midlaner adverse et il a absorbé tout le focus sans mourir. Très bon fight des BDS avec la Soul hein, qui a évidemment fait la différence. On l'a senti ici, ils étaient beaucoup plus à l'aise dans le fight. La Soul qui a clairement fait la diff. Pour aller vers l'avant dans une situation où ils sont tous en train de reculer, Bekarog en train de kite, ça a bien aidé. Dommage pour la petite Shockwave qui est partie dans le néant. C'est ça, le pire c'est... Parius il fait une engage sur 3 personnes. Ils ont réussi à remporter le fight sans vraiment utiliser l'ulti Orianna et l'ulti Urgot. Ah ouais, c'était décousu de la part des BKR au Link qui arrivait un petit peu tard. Et là on voit Shockwave. Ils vont juste courir dessus. Tu sais qu'à un moment j'ai cru que la Shockwave était dans l'autre équipe et j'allais me dire voilà, Penta Shockwave va arriver. Pas du tout. C'était juste par terre. Et maintenant, Nashor, Soul. Le timing avec Kaisa qui a les missiles en boucle, le sieging est vraiment gratuit pour BDSA normalement. Oh que oui. C'est Kaisa qui finalement va avoir son boulot de dégâts AP avec ce build. On l'avait déjà vu, hein, c'est très efficace. Je l'avais pas souligné avant, my bad, c'est vrai qu'Orianna est au final pas du tout seul en termes de dégâts magiques. Ah oui, Kaisa avec ce build, de toute façon dès que tu vois une éclipse sur système c'est forcément AP. Et t'en parlais... T'en parler du sieging, va être clairement facilité grâce à cette Kaisa et ses missiles. Ricker est peut-être en danger vu qu'il est un peu tout seul ici, mais bon, il faudrait avoir un gros flash in 213 et pas de réflexe de la part de Ricker. Et là on voit Kedui, les missiles vont pleuvoir, il n'y a pas de counterplay. Il faut trouver pour Bekarog une hard engage sur un carry. Kedui n'a pas de flash. Et les ADC qui sont assez bien dans la partie, parce que regardez, les deux AD carry sont niveau 14, alors que les solo laners sont 14-15 dans la game, donc c'est un bon indicateur. Ouais, c'est... Les ADC, normalement, on devrait avoir un petit peu moins que... C'est un peu un retard plus du côté des solo laners de Bekarog. Notamment de côté de Way. Mais bon, le niveau 16 devrait arriver assez vite sur Urgot et Orianna. Bah, on a short bien utilisé, ça continue d'avancer. La T3 top est bientôt détruite. C'est Parus qui est en train de split push avec sa Camille. On a une T3 top, comme tu l'as dit, qui est bientôt finie. Et on est sur 3 waves. Donc dans ces cas-là, c'est difficile à jouer. Mais si ça passe, c'est masterclass. Maintenant, je m'attends à voir 113 et déclencher à un moment ou un autre. Ah. Un multi-smolder, ça va toucher Kedui, le follow-up est compliqué, mais 113 décide d'y aller sur Ricker, le Zonia qui gagne beaucoup de temps, mais les BKR sont bien mobilisés, bien ensemble, la Shockwave encore une fois, lâché juste derrière, que se passe-t-il? Ricker il est pas dans sa game là, c'est le seul qui pouvait se faire catch, et malheureusement il se fait catch, on prend la T3 bot cependant, mais c'est vrai que sans vouloir flame, hein, parce que c'est un très grand joueur qui fait souvent de très grandes games, cette game là... mon domaine. Vas-y. Non, vas-y, justement. Cette game là est... un peu suspect de la part de Ricker, soit sur les catch ou les shockwave, c'est clairement ce qui a donné une opportunité de comeback un petit peu au Becker et qui empêche les BDS d'avancer, mais happens. C'est happens, tu vas toucher 0. Vas-y, à tout temps maintenant. Non, moi j'allais dire que peut-être qu'il faisait un challenge TikTok en mode 0 tout le petit touché pendant la game ou un truc comme ça. C'est pas facile de faire un teamfight où tu touches 0 personnes avec un shockwave. Ok, c'est super drôle ça. Ah, je t'emmerde, je vais te balayer à la fin du cast. Ok, ça marche, bro. Du coup, 3 items sur le Urgot. T'es foulisse nous là. Non, reste concentré. Reste concentré, c'était la fin de cette game. Non, mais tu me dégoûtes. Ricker, t'inquiète, il va se rattraper. Shockwave de fou pour la fin de la game. On y croit avec le niveau 16. Merci, Marex. Il a complété son 3ème item, tout va bien. Terak sur la Camille. Très important tout de même pour pouvoir bien se jeter dedans, bien ulti et temporiser. Voilà, est-ce que mon lui des barres de points de vie, il en a plus d'une. Regardez comme il est tanky, 113 qui tente l'engage et la Shockwave est très bonne de la part de Ricker. Ça permet de gagner un peu de temps, mais.
pas de re-engage possible, pas russe, était trop loin. Petit disengage finalement, cette shockwave elle permettait de gagner du temps et de se repositionner. L'Elder qui arrive dans 45 secondes. On aimerait voir un travail de Kidui avec ses 3 items au niveau des missiles. Mais attention à Arnd Samedi, 5-0-1 avec son Smolder. C'est qu'on manque un peu de dégâts du côté de Bekarog. Pas de shockwave pour l'instant. Elle est à la moitié du cooldown. Les BKR ont envie de fight là-dessus. Après, le timing est pas dingue pour les carry BKR parce qu'on a vraiment des morceaux d'items sur les deux carry. Et à un niveau du niveau 16, il leur faut une minute ou deux minutes en plus les BKR pour être super forts. Oh, ça se fait engage sur ce commande, on va tenter de one-shot le volley. Est-ce que ça passe? Ça ne passera pas, il va réussir à ulti out. C'est Parus qui engage sur le côté, sur le Renekton. Il a mis un bon ultimate, ça va turn sur lui. Le fight est un petit peu décousu, personne ne meurt pour l'instant. Et c'est Furon qui revient dedans. Et le Urgot qui s'éloigne dans la mêlée avec la shockwave. Le Urgot late game qui découpe tout le monde. Attention, mais Smolder est toujours debout, Shriek. Kidui est mort, on est 4 en vie du côté de BDS. Là, les points de vie, les parts de points de vie sont extrêmement low. Normalement, ça devrait être facile de conclure ce fight pour BDS. Là, l'ulti en Samedi, qui est terrifiant dans ce teamfight. Il faut qu'on quitte la bonne personne pour BDS. On a des parts d'HP tellement ridicules. C'est fini, ça devrait être fini. En Samedi, peut-être en 1v4. Tcheco n'a même plus de mana, il peut pas lancer de spell. En Samedi, isolé, qui va se faire finir. Et pareil pour Tchekolade. C'est un ace, un clean, presque un clean ace, parce qu'on a perdu Kidui dans l'opération. Et on a terminé ce teamfight quasiment sous T3 du côté de BDSA. Clairement, on a senti vraiment la discipline des joueurs BDS Academy qui allaient vraiment à petits pas dans le fight à chaque fois, sans trop commit, sans donner les exécutions aux Smolder. Et ça tente de finir sur la bot lane. En Terra 113, pas dingue pour défendre une tourelle. Il y a une armée de creep, ça peut gratter une tourelle, la shockwave qui revient, la shockwave qui va toucher, mais il faut un peu plus de dégâts. 113 qui se donne pour gagner du temps. Le kill est récupéré, la tourelle va tomber, il reste 10 secondes et ils vont se replier. Attention à ne pas trop au niveau de cette Elder, voilà, ça va être récupéré sans problème. Et il y a quelque chose qui me vient en tête, Shriek. Le Volibear à un moment s'est fait chasser, il était à 20% HP. Ouais, il a appuyé sur Z. Et dans sa jungle adverse, quand il chasait les adversaires, il est monté vers les 75% HP. C'était quand même, par rapport à sa barre de points de vie, 2500 HP de récupérer. C'est parce que je joue pas à LoL depuis longtemps, tu vois, tu connais pas forcément. Bah, je vois ciel éventré, visage spirituel Viber, mais ouais. Entre 2000 et 3000, sans enchanteur dans ta team, c'est un petit peu beaucoup quand même. Tu veux envoyer un petit mail à l'Afrique? Nouveau au niveau de l'équilibrage des champions, n'hésite pas, le Nashor va être récupéré, t'as l'Elder avec, c'est fini. Ah, le double buff. Et il est bien ce fight géré par les BDS parce qu'ils n'ont pas eu cette situation de flip à l'Elder qui peut être un peu à double tranchant. Tu récupères la soul, mais si les adversaires scale et arrivent à arnaquer un fight sur l'Elder, on a déjà vu des comebacks massifs de game de cette manière. Mais là, bah en vrai, le vrai problème de la game, là ils ont triple buff hein, les BKR. Ils ont la soul et en vrai, alors quadruple buff s'ils vont prendre ce red buff. Non, ils le prennent pas, ok. Le vrai problème avec BKR, c'est que t'as beau avoir un execute du côté de Hunt, tu vois. Mais le problème, c'est que t'as personne pour les descendre assez low pour les execute. Et c'est ça, quand tu joues Smolder, qui pose problème, c'est qu'il faut vraiment un DPS, il faut vraiment quelqu'un qui peut aller descendre ses barres d'HP pour stacker les execute. Malheureusement, à chaque fois, on voit les teamfights, Hunt est le dernier en vie, mais il y a toutes les barres d'HP en face sont mid-life minimum, tu vois. Donc ouais, tu peux pas l'execute. C'est dur pour Wade de résister avec son kit, sans Zonia, contre les champions adverses. On l'a vu, il y a deux fights de cela, c'était Kedui qui a réussi à quasiment assassiner seul chez Colad. Ça rend clairement la tâche difficile. Alors que côté BDS, on peut compter sur tout le monde. Le Volibear est un carry dans cette game, même s'il est quasi full tank. Le Urgot aussi. Bah ouais, le Volibear, c'est un peu inversé de jungle. On est content. Tout le monde l'est. Et là, on va assiéger cette T4, cette dernière tourelle. Elder Nashor, Marek, comment tu défends? Il faut une engage. Une engage vraiment incroyable, sensationnelle de la part de 113, parce que sinon, c'est finito. C'est dur, hein. Les BDS prennent leur temps, s'envoient quelques missiles côté Kai'Sa. 113. Ça résiste bien pour l'instant pour les BKR. Par rapport au fait qu'il y ait double buff en face, ça résiste bien. Parce que là, on parle de Elder Nashor, les buffs ultimes. Et là, ça devrait passer. Ça joue le poke, ça envoie les petits. Oh la shockwave! Très bonne, Shriek! Elle était magnifique et elle conclut cette game BDSA qui vont venir assassiner sous la fontaine les derniers joueurs de BKROG et qui s'envolent normalement en IMIA. Quasiment garanti. Quasiment garanti. Et là, on est bien content. Parce que Skew, vraiment sa game est exceptionnelle. Je crois qu'il se termine avec zéro mort. Ouais, belle draft, belle game. Quasiment 100% de KP, j'ai pas regardé, j'ai pas fait attention au KP. Et là, on a pu avoir un aperçu de ce que donnait un volley bien dans sa partie. Sur le dernier fight, il a pu faire
3 re-engages successives. 3 re-engages successives en récupérant tous ses HP à chaque fois, grâce à son champion, grâce à son avance. Bon là, il a vraiment eu le scénario de rêve, il a eu le first blood, il a très bien snowball sa partie, il avait beaucoup d'items, mais sur le dernier fight, le fait qu'il puisse re-engage 3 fois, en se régénérant 3 fois, sans source de heal extérieur, ça montre à quel point le champion est fort, et en plus de ça, il apporte du CC, des dégâts, il en faisait tout simplement trop. CC, dégâts, tankiness, on a pas un peu à l'image d'un cassanté prime. Quoi. Ouais, exactement, et on n'a pas eu de vidéo de BDS3 qu'ils ont épuisé à force de gagner. Ah, ou peut-être qu'il cook des folies pour les playoffs, ou peut-être qu'on l'aura juste après, je ne sais pas. Peut-être qu'on l'aura juste après, mais là, juste après, c'est le desk avec Twix, à ton tour. Merci beaucoup, messieurs. On n'a pas de vidéo de célébration, les amis. Bah, remboursé. Bah, de fou, pas de vidéo de célébration. Voilà, chapeau, tu fais quoi ? Après, ils ont fait 9 victoires d'affilée, il y a un monde où ils n'en ont pas tourné assez, et c'est compréhensible. Peut-être, mais effectivement, traitons. Tu veux dire donc qu'ils ont parié sur les défaites de leur équipe ? Ta gueule, plus. Au passage, 2 victoires d'affilée, c'est ouf parce que c'est une victoire. Oh, contre... Mais c'est une victoire contre toutes les équipes de l'FL, ce qui est big. C'est vrai. Ils ont fait le tour. Non, c'est 100%. Parce qu'il rejoue contre Cassé et ça a commencé par Cassé. Je crois qu'il a raison. Ouais. J'ai pas envie de lui donner raison. Si, c'est logique. Non, c'est logique, 100%. J'ai pas resté les dents, je sais pas pourquoi. Bref, la draft et les drafts. C'est ton plus... accent texan, ça. les drafts étaient vraiment solides, notamment celle de BDS Academy. On teste beaucoup de choses, on joue la Camille support, on a le Volibear qui sort, en plus beaucoup de flex jusqu'à la fin. Pas toi. Quoi? Volibear, par pitié. C'est vrai que Twix a pété un plomb au début de la game. C'est vrai que c'est Volibear. La clean, c'est j'ai rien dit. Ok, bon. Voli-ours qui sort et qui... C'est bien. Bah ça marche. Voli-ours qui sort et en plus qui est très bien draft parce qu'on ne sait pas s'il va être en jungle sur un top end jusqu'à la fin. Il y a une Camille aussi qui sort. Donc tu dois répondre à Camille quelque part sans vraiment y répondre, sachant que ça peut être support. Je trouve que leur draft, elle est vraiment très très bien pensée. Là, on est plus du côté classique de la force pour BKR. Et est-ce que le classique va bien à BKR, notamment la rel sur centré? C'est le grand débat, Chips, honnêtement. Bah, surtout que la dernière game de 113 avant Ivernrel, c'était le Viego. C'était le fameux Viego qui nous a tous fait quand même nous lever de nos chaises, je pense qu'il faut le dire. Non, mais c'est sûr, bah, Tréton, je pense, soulève un bon point qui est quand même que. Très souvent, faut dire. BKR, moi, ce que je préfère chez BKR, c'est vraiment leur early game en général. Et je trouve que c'est une équipe, quand elle n'a pas les outils pour gagner leur lead, pour jouer en early, c'est. Bah, moi, je trouve que ça montre plus leurs autres faiblesses. Et pour le coup, on l'a plus senti là. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, à la création du jeu la plupart du temps. C'est plutôt BDS qui créait le jeu. Et ce pick Camille, notamment, très sympa. Petite senteur de solo queue. Oui. Avec ça. Mais à voir si on en voit d'autres. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu'on en voit beaucoup non plus. Peut-être que je suis délu. Non, il faut le scénario adéquat et pour le coup, un, comme anti-smolder, c'est plutôt raisonnable avec Kai'Sa récemment buff aussi. Enfin, franchement, en termes de lecture de patch pour BDS, on prend tout ce qui a été changé et on arrive à plutôt pas mal le combiner. Moi, je me disais quand même, en voyant la draft de BDS, je me disais qu'éventuellement, s'ils n'arrivaient pas à tuer leur lit, ça pouvait être un peu difficile parce que certes Camille contre Smolder ça marche sur le papier, mais est-ce que tu peux follow-up correctement avec ta Kai'Sa, etc. J'avais un petit doute sur tout ça, mais BDS a réussi à créer du jeu et a toujours gardé le lead dans la game malgré quelques petits incidents. Ouais, voilà, il faut quand même rendre hommage à la résilience BKROC dans le samedi, surtout autour de Hand samedi effectivement. Là, bah, c'est justement l'action qu'on a en image où on kite jusqu'à la T3 topside. Il fait ce qu'il peut. Hein. Franchement, il donne. Hein. Ouais, il a donné ce qu'il peut en termes de DPS. Le problème, c'est que Commoning est passé derrière rapidement. Ils ont de la réserve quand même, les BKROC. Tu le vois dans ce genre en teamfight, ils sont bons. Enfin, les joueurs sont forts, ils arrivent à cliquer, mais juste la frontline n'était plus assez solide. Et BDS Academy, en plus de ça, en teamfight, ils s'étaient trouvés assez raisonnables dans leur manière de jouer. Ils n'étaient pas non plus en full commit à chaque fois, ils y allaient petit à petit. Et franchement, ils ont géré leur game et ils sont de plus en plus impressionnants, les BDS Academy. Ça va être très très intéressant demain contre KCB. Ils ont eu des combos de fou, de désynchro de fou avec les premières actions de Scumonde. Comme il le disait au cast, ils se baladaient de lane en lane et à chaque fois c'était ça passe, ça passe, ça passe. Et par contre, bon là, une petite game un peu off de Ricker qui a eu 10 minutes un peu délicate hein, quand même dans le match. Oui. Il y a quelque chose qui t'a interpellé, toi. Bah, je crois que du coup, il a paru ça avec eux, je viens de capter. Oui, il est arrivé. Ouais, mais ça c'est grave cool aussi pour BDSA et ça va être un buff pour les playoffs, ça va faire un petit changement. Qui peut faire que l'équipe devient encore plus forte. Ça va être dur à battre. Hein. Franchement, bon, on va voir demain. Hein, contre... Déjà, on va voir Cassé aujourd'hui contre Geo, mais demain,
Ouais. Demain, vu la forme de BDSA, je vois pas comment ils sont pas favoris en fait. On va demander justement à la personne qu'on va recevoir sur le plateau. C'est Kedui, mesdames et messieurs, qui nous rejoint. Kedui, welcome, welcome on the desk. Congratulations on another win, the ninth win in a row. It's really an amazing series. How are you doing today? Doing good, yeah. 9 wins in a row. That's insane, actually. This game, I was a bit boring, so I'm not feeling too happy right now. But but my teammates were obviously doing a lot of insane stuff, but I was never part of it. Yeah, the game was action packed, but not really on the bot side. Even though you played with the Camille support, and Paris is also with you in the office. Tell us about the Camille, and tell us about sharing the desk with Paris. Paris, he arrived, I think, after our last competitive game on Thursday. So Friday he arrived. So he's been here with us for some time now already this week. The split has been going even more insaner than it has been before, right? We've been winning a lot, but we have not been five together in Geneva. So now it's been even more fun. And I really like talking to him the whole day and like, just talking about league the whole day together in person. And Camille, nice. I mean, it has been coming up in solo queue a lot, like solo support champion one-shotting people. So we just picked it up ourselves. And we just freestyled this draft kind of because we wanted to pick something else, but they were kind of mean with the bans and picks. Yeah. But in the end, our comp is insane with Camille, I think. Camille Kaiser, Oriana Woolley. Yeah, it was really good, and you are not afraid to try things out. Is it because you're in a pretty huge win streak, or is it in the DNA of this roster? Kind of both, I would say. Okay. For sure, it's in our DNA that we are like trying out everything that could be potentially good. So we have everything ready to be played in competitive game, and in scrims we are also trying our hardest to not overplay specific champions because we know those will be maybe banned in competitive. Mm-hmm. What was the other thing again? In your DNA to try things out, and about the win streak. So you pretty much answered it. Yeah. Yes. Yeah. True. Like we are obviously trying to secure top two, which is really important for the team, but especially for me. I would really love to play EU Masters for LFL because I've been always on the other side. And I know how hard it is to win against LFL teams in EU Masters. And maybe this split, finally, I can be on the other side and win against the LVP and Prime League teams. Well, let me tell you, we're pretty happy to have you on our side this time, considering the split you've been having so far. I mean, last three or four games, you have only one death, Pentakill last week. You guys, and you especially, are in a really, really great shape. The MVP goes to your jungler for today, Skumon, with his... Volibear. But I would like to end the interview to get some of your thoughts about tomorrow's matchup. Of course, you will be facing KC Blue, and you especially will be facing against Kalist. You're the best performing bot laner so far in the LFL, but KC Blue is right behind you. What are your expectations in this upcoming match? It is going to be a very big game for sure. I mean, we see KC as our main rivals, my main opponents for this split, and they've been obviously doing very well too. Facing Kalist is gonna be insane. I was really happy that I beat him last time, even though maybe I didn't show the best performance last match, so I kind of want to make up for it this time. He's in my opinion like the best ADC in ERL, so playing against him is always very insane. And it's gonna be a very big matchup because we are first place and second place, right? So we are probably like the two best teams in the league, and I will like it. You are absolutely. We can't wait. We can't wait to see you guys face off in tomorrow's match of the week. Thank you so much, KJW. It's been a pleasure to watch you play and having you in this quick interview. Would you like to share a few things with for some friends, families, or maybe of course the BDS fan watching? Sorry. I don't have anything specific. Just like, I love you all guys, everyone that has been watching our games, the BDS fans, everyone that has been supporting us. It's very amazing to play in LFL finally after all those years. And it can't get better right now.
Thank you so much. But we still want some of your celebrations. We don't have a celebration today, so we're pretty sad. Even though I hope you have one ready for tomorrow's match in case you win against KC. Thank you so much, KG, for the interview. Yes, also too. Congratulations on your recent performance. You really are playing amazingly well. And good luck for tomorrow's matchup. Thank you, Kevin. See you. Voilà, mesdames et messieurs, pardonnez-moi, j'ai pas mal bégayé dans cette interview, même si... Non, je non. Ah ouais ? Juste à Alphonse, non, mais franchement, t'as excellent anglais. Merci mon ref. Pourrais-tu résumer, s'il te plaît, mon cher Tréton ? Oui, écoute, ils sont assez confiants actuellement, du coup, avec la chain win et même l'équipe en général, pour tester plein de nouvelles choses, notamment la Camille support. Forcément, il freestyle la draft. Il freestyle un petit peu la draft, mais en l'occurrence, ça marchait bien. Il avoue, en tout cas. Et il dit que Paris du coup est arrivé donc vendredi dernier, donc ils ont eu un petit peu de temps, etc., pour s'entraîner. Tout globalement se passe très très bien et il est pressé de jouer contre Carmen Corbluy parce que ça va être un très très gros match-up et il est content de jouer contre Kalis qui est selon lui le meilleur ADC en ERL. Ouais. Donc intéressant à suivre. Et il a dit aussi qu'il était content, qu'il avait l'objectif de se qualifier en IMEA en étant dans les top 2 en LFL et qu'il serait très content de le faire avec la LFL parce que tout le temps quand il a joué en IMEA c'était côté LVP, côté Prime League et c'était difficile pour lui d'en retrouver les teams LFL. Il est content d'être de l'autre côté et de jouer du coup pour la France. Et on est content aussi, comme je le disais, parce qu'ils sont très très chauds, et pour le coup, c'est assez cool de ne pas les avoir en face. Ce coup-ci, donc voilà, félicitations au BDS, une série tout à fait glorieuse, et la validation du top 2 pour l'accès aux IMEA, et notamment au main event, sont assez bons, tout de même pour la team de Genève. Force au Bekaroc, bien sûr, attention, Bekaroc, ils n'ont toujours pas validé à 100% leur slot de play-off à faire, à suivre. Et puisqu'on parle de play-off, mesdames et messieurs, c'est l'heure justement de ces deux matchs dont on vous parlait. Il y en a un qui va commencer dans quelques instants. Deux matchs aujourd'hui opposeront les quatre équipes qui sont à 6 victoires, 8 défaites. Donc vraiment en ballotage pour ce top 6. Eh bien, les deux premières à rentrer sur la faille, c'est VitalityB et Gentlemate. Deux équipes qui ont également des tendances complètement opposées avec les résultats récents. On va voir qui prendra le meilleur, un match d'une importance capitale. Mesdames et messieurs, Vitality contre Gentlemate, juste après la pause sur OTP, à tout de suite.